Bon, je pense qu'on était complet sur le turnover avec Luis Enrique, les choix qui ont été plutôt gagnants. Passons à la deuxième partie sur l'efficacité qui a fait la différence hier lors de cette victoire 2-0 contre Nantes à la Beaujoire. Le PSG qui a eu finalement, Nico, Nantes à l'usure, hein, ça s'est concrétisé en deuxième période avec le but de Lucas Hernandez à la 60e et de Kylian Mbappé à la 78e. Et c'est vrai que Nantes a eu des occasions, hein, on l'a dit, en fin de première période avec Mustapha Mohamed, il y a un très bel arrêt de Donnarumma. D'ailleurs, on fera après une thématique hein, exprès sur Donnarumma pour parler un peu de sa saison. Puis ensuite, Kozza avec le retour de gagnant de Marquinhos. Et puis, il y a l'action aussi en deuxième période, Thierry Vela sur un centre en retrait. Et Donnarumma fait un très bel arrêt où il la met sur son poteau. C'est vrai que c'est la différence, l'efficacité, pardon, Nico, qui a fait la différence. Paris a été réaliste sur ces occasions, on le voit hein, sur les stats, de tirs cadrés. Hein. Après, les seules occasions de Nantes, à part c'est effectivement la frappe sur le poteau, c'est que des erreurs de la défense parisienne, en fait. Hein. Faut pas non plus qu'on se mente. Ouais, mais ça aboutit à des grosses occasions, quand même. Évidemment, les occasions existent, mais c'est juste à chaque fois quand le PSG fait des deux petites... Il y a Danilo qui fait une grosse dinguerie, il y a Marquis qui en fait une aussi à un moment. Voilà, les seules occasions un petit peu chaudes de Nantes jusqu'à cette frappe sur le poteau, c'est vraiment uniquement ça. C'est une équipe qui te met absolument pas en danger. Après, on l'a vu combien de fois ce match, franchement. Une équipe qui refuse le jeu, qui défend mentalement, physiquement, au bout d'une heure, tu commences à laisser des plumes parce que c'est à force de cavaler après le ballon sans cesse, je pense que tu dois déjà en avoir un peu marre et puis tu te fatigues. Donc, c'est un match qu'on a vu des dizaines de fois. Donc, moi, j'étais pas spécialement inquiet du déroulement de la rencontre. Après, effectivement, il y a de l'efficacité, il y a même un peu de réussite parce que le but d'Hernandez, il est clairement dévié et je pense que sans ça, il n'y a pas but. Derrière, t'as le beau, et puis après, c'est aussi un match où t'as tellement de marge sur ce genre d'équipe que voilà, on l'a regretté souvent, ça, mais moi, quelque part, je les comprends, les mecs. Tu sors d'un match de Ligue des Champions, tu viens à Nantes, t'as un super stade, une ambiance de dingue, et puis en face, t'as une équipe qui refuse un match, donc tu dois aussi en avoir un peu ras-le-bol de jouer des matchs comme ça, je veux dire, c'est toujours la même chose. Tu sais que tu vas faire la différence à un moment ou un autre, individuellement, ou sur un coup du sort, comme ça s'est arrivé. Et effectivement, t'as arrivé, t'as que deux frappes cadrées pour deux buts. Mais si c'est un match où si le PSG déjà ouvre le score en première mi-temps, ça peut être une boucherie. Ça peut être un match si le PSG décide de jouer vraiment et d'accélérer, c'est une boucherie. Voilà, c'est une équipe en face qui propose rien, qui attend que ça passe. Et mais le pire, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, ils sont pas loin d'ouvrir le score en première mi-temps. Alors, j'ose même pas imaginer la reprise de la deuxième mi-temps si Nantes met nos scores. Là, je pense qu'il y a même, Gourvennec qui rentre sur le terrain avec un maillot de gardien. Il joue à deux gardiens et puis, ils font venir deux, trois mecs du staff aussi pour renforcer la défense. Enfin, c'est ce genre de match. Moi, c'est le seul scénario que je regrette à chaque fois, que je redoute. Voilà, c'est que tu prennes l'ouverture du score. Parce que, alors déjà que c'est chiant, mais alors, mener 1-0, ça devient l'enfer. Donc, oui, efficace le PSG, mais surtout très, beaucoup de marge sur ce genre de rencontre. Donc, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire sans plus. Alors, pas grand chose à dire de plus par rapport à ça, je trouve. Et j'ai oublié en plus, Nico, de citer la reprise de volée magnifique de Palois. Parce que s'il met ce but en début de deuxième période, alors là, on entend parler quand même partout. C'est ça. D'ailleurs, Paganelli, je crois qu'il est encore en train de se demander comment il a fait pour frapper du gauche. Et je ne sais pas si quelqu'un a dit à Paganelli, du coup, que Palois était gaucher. Ça serait bien de lui dire la prochaine fois. Ça pourrait l'aider à dire une connerie de moins par soirée, déjà. J'ai pas entendu. Et en gros, il disait... Il a dit qu'il frappe magnifique, gauche, surtout du gauche. Ouais, surtout du gauche, il a dit. Et donc, Palois, il est gaucher. Donc en tout cas, la frappe de Palois était pure. Et des fois, il est capable. Elle était pas cadrée, je pense. Elle était transversale, je pense. Ouais, je pense qu'elle était transversale. Je pense qu'il n'y a pas but. Mais bon, Donnarumma a bien fait de l'enlever. Il est très présent sur cette reprise de volée de Donnarumma. Comme le dit Ayak, quel beau joueur Palois, parce que les mecs de Canal hier, je ne faut pas trop dire de mal de Canal ici, je sais, mais ils ont passé le match. Mais attention. Oui, je sais. Ils ont passé le match. Affaire de Palois, le Beckenbauer du FC Nantes. J'en pouvais plus, sérieux, ces commentaires. Donc, voilà, et non, ils ont dit qu'il n'était pas titulaire en début de saison, qu'il se battait pour avoir sa place. Et c'est vrai. Quoi, hein. Franchement, désolé hier, mais il n'est pas horrible hier. Il a deux doigts d'ouvrir le score en première période si Mustapha Mohamed qui tire le. Non, Thierry Vela n'est pas en jeu sur la remise sur le corner. Ouais, et puis voilà, il a mis sa frappe, il avait le sourire après. Tu vois, le moi, ça me choque pas, il a une... De quoi ? C'était pas loin qu'il fallait aller chercher à la place de Skriniar, je pense. On s'est fait avoir. M'oblige pas à dire un truc qui va faire une capsule, je te jure. Ne m'obligez pas.
Arrête, parce que là, il va dire que Palois Skriniar, ça vaut pareil dans 2 secondes. Non, non, bah après je. Je vais déraper là. Non, non, par contre, je vais le dire maintenant, parce que sinon, après, je ne sais pas si je pourrais le dire, mais on parle de la défense. Voilà, il y a un défenseur hier qui, lui, pour le coup, il a marqué son but. C'est Michel Backer, les amis. Voilà, ça y est, je l'ai dit. On enchaîne. Michel Backer avec la Talanta. La Talanta. Un magnifique but. Voilà, la Talanta qui a claqué 4-0 hier, il me semble. Hein. Qui est sur une grosse dynamique en ce moment. Moi, j'ai toujours cru en lui, de toute façon. Mais je sais, Yacine, je sais qu'au fond de toi. N'empêche, 4-0, c'est 3-0 contre Sassuolo. Hein. Atalanta qui est quatrième, hein, juste derrière l'AC Milan, et devant la S-Roma, devant la Lazio, devant Naples. Je rêve d'un PSG-Atalanta en Ligue des Champions l'an prochain, les amis. Oh là, ça serait fou. Hein. Imagine, tu prends. Bah, de toute façon, on sait déjà que Backer, il marque un but hein, s'il est titulaire, parce que c'est pas un titulaire, hein, Backer à l'Atalanta. Il y a Zappa Costa, il y a Holm en latéraux notamment. Mais c'est sûr qu'il serait titulaire et il marquerait, Nico, c'est sûr. La hiérarchie peut changer du coup là depuis hier soir. Hein. Ouais. J'ai pas vu son but. Tu sais quoi, je regarderai le résumé de match. Le même que Hernandez, je te promets, le même. Non, mais c'est un aussi. Atalanta United ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? De quoi? C'est un Atalanta United ou quoi? Non, c'est Backer United. Bon, merci pour vos commentaires. Hein. Je lis vos réactions. Alors, il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que Mousse va revenir. Il va revenir bientôt. Vous inquiétez pas. Mousse sera présent bientôt dans les podcasts, puisqu'on est de retour hein, depuis jeudi avec tous les podcasts, tous les débriefs qu'on a à faire. Vous inquiétez pas, Mousse sera bientôt présent. Il y aura également Clément, il y aura Cédric, il y aura Samy qui va revenir. On demandera aussi à d'autres qui ont participé avec nous au podcast. Romain Bédouc également, qui a déjà fait. Enfin bref, bon, vous inquiétez pas, il y aura un peu toute la team que vous reverrez dans les podcasts. Yacine, par rapport à ce que disait Nico, est-ce que t'es d'accord sur le fait que Paris avait de la marge et que ce genre de match-là, on l'a vu plusieurs fois? Moi, ouais, j'avoue quand même que Donnarumma, il a quand même sorti, enfin, on en fera une partie après, mais même s'il n'en a rien proposé, en tout cas, ils ont quand même terminé avec 7 tirs cadrés, ils ont des plus grosses occasions limite que nous. Et tu peux te faire, je dis pas égaliser, mais tu peux prendre un but et douter jusqu'à la fin du match, quoi. Mais en fait, c'est ça. Alors, enfin, douter, c'est un grand mot. Non, mais oui, mais le podcast, il est sur Apple Podcast. D'ailleurs, il y est depuis hier. On a eu un petit problème technique, mais c'est réglé. Donc, il y est depuis le premier podcast de jeudi. Hein. Ouais. Ah, ouais. Donc, ils seront sur les plateformes comme d'habitude. On a réglé ce problème-là. Et non, il nous reste le problème de l'heure à régler, mais ça va venir. Bon, écoute, efficace, je ne sais pas, parce qu'en fait, ils ont 2 tirs cadrés, il y a 2 buts, mais tu as quand même 12 tirs. Et donc, tu cadres que 2 tirs. Donc, est-ce que réellement, tu es efficace? Moi, je pense qu'il y a encore une fois plein de choses. Déjà, cette équipe, elle ne prend jamais… Bon, c'est une mode aussi aujourd'hui, parce que Guardiola a matrixé un peu beaucoup de monde. Mais c'est une mode de ne plus frapper de loin. Et en fait, quand tu as un bloc bas, tu peux faire ce que tu as envie. Mais il faut qu'il y ait des joueurs capables de frapper de loin. Encore une fois, évidemment, avec l'idée de marquer, mais pas que. Parce que quand un joueur frappe de loin, c'est obligatoire que sur le prochain ballon, la défense, il y en ait au moins un qui sorte parce que tu vas empêcher cette frappe. À partir du moment où tu as un joueur qui sort d'une ligne, il crée des décalages autour et donc des possibilités d'aller à l'intérieur du jeu. Donc ça, déjà, c'est une première chose qu'on n'a pas. Après, quand je vois certaines frappes, effectivement, je me dis, c'est peut-être mieux qu'ils ne frappent pas de loin, mais bon, c'est dommage. La deuxième chose, c'est qu'on manque malgré tout de qualité technique. Si tu cadres que 2 tirs sur 12, c'est quand même qu'il y a un problème. Donc, voilà, après, en fait, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que ces matchs-là, en fait, tu vois, c'est le problème des équipes qui mettent le bus parce que, en fait, si Nantes ouvre le score, et comme le dit Nico, évidemment que la deuxième mi-temps, ça peut être une purge totale. Mais malheureusement, c'est aussi ça le foot, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui défend, qui défend, qui défend, elle met un contre et elle marque un but. D'ailleurs, la finale de la CAN, c'est la même chose. La Côte d'Ivoire, ils sont 36 minutes dans les 30 mètres du Nigeria. Le Nigeria vient une fois, ils ont un corner et marquent un but. ces scénarios-là, on les voit 50 000 fois. Parce que quand tu as le ballon, que tu attaques,
que tu essayes de trouver des solutions, il y a un moment donné où tu ne défends pas aussi bien que quand c'est un match un peu ping-pong, tu vois. Donc, bah, tu es pris sur un compte comme sur le compte de Kadewere. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il y a déjà une ou deux situations juste avant. Et on voit bien à un moment donné sur l'image que Luis Enrique, il a décidé de laisser ses défenseurs en 1 contre 1. Il y a deux attaquants de Nantes qui restent là-haut. Il demande pas un joueur de plus de rester à 3 ou quoi. Il met Marquinhos, Danilo, en gros, débrouillez-vous. En 1 contre 1, on a, tu sais, enfin, il se dit pas, voilà, machin. Bref. Maintenant, Nantes n'ouvre pas le score. Toi, quand tu l'ouvres, comme le dit Nico, si Paris ouvre le score avant, moi, je suis pas sûr que ça fasse une boucherie parce que Nantes a quand même attendu de prendre le deuxième but avant de réellement sortir. Donc, ces équipes-là, tant qu'il n'y a pas de 2-0, de toute façon, elles restent en 8-2 jusqu'à ce qu'il y ait 2-0. Voilà, je pense qu'il y a un manque de malgré tout, de justesse technique dans le dernier geste du PSG, souvent symbolisé par Dembélé, mais en vérité, quand tu regardes bien, il y a trop de joueurs qui sont pas justes techniquement dans le dernier choix. Quand tu joues avec 80% de possession de balle, Kolo Muani, ça peut pas être ton neuf. Quand tu, enfin voilà, il faut des choses qui se passent. Kanguini, ça peut pas être ton ailier droit parce qu'il peut pas éliminer un joueur avec la puissance et tout. Voilà, il y a plein de petites choses en fait qui restent à régler. Maintenant, on a déjà vu aussi le PSG repartir de ce genre de match avec une défaite ou un 0-0. Donc voilà, t'as fait le travail. Sur une, ben, tu vois d'ailleurs, le but il arrive comment? Sur une frappe de loin. Tu vois? Même si la frappe elle est Ah oui, déviée et tout. parce qu'à un moment, Lucas Hernandez tente sa chance parce que voilà, ça manque Mais voilà. Ben de oui. contour. Mais c'est ça. Parce que la frappe de loin, comme je disais tout à l'heure, en dehors du fait qu'elle crée un nouveau problème à gérer chez l'adversaire, elle peut être déviée, elle peut être. Tu vois, il peut se passer plein de choses. Donc c'est aussi ça.